Aïssé Fremsem, dossier nèg qui baille l'argent pour tout le président PIA qui c'est Jovenel Moïse. Mais frère avec ça, dernièrement là, M. Newton Saint-Just, t'es fait en sortie dans la presse, côté que, les yeux d'après dossier, d'après enquête qu'elle menait, les joints gagnent 20 millions de dollars américains qui passaient dans la Banque République Dominicaine, qu'elle joignent les mercenaires colombiens, ou du moins représentants mercenaires. Et mes dossiers ça, ils vont petit dossier, non? Son dossier qui a fait chemin, oui. Ce dossier que je parle à volant là, non, maintenant, on a cité en pile dans la presse dominicaine. Ce dossier qui a pour des résultats, oui. Ce dossier, il faut que nous connaissions qui s'est débarqué là, oui. Il faut que nous connaissions qui s'est débarqué là, oui. Parce que qui s'est passé 20 millions de dollars américains, ça. Il faut que nous connaissions combien de nègres qui baillent l'argent, ça. Parce que nous connaissons Boulos, investi en République dominicaine. Dimitri Vob, investi en République dominicaine. Donc, ça a un gros argent dans le pays, ça. Et quand on ne parle pas là, petit tout oligarque corrompu yo yo là en République dominicaine la caille voisin petit tout nèg qui touye président Jovenel Moïse yo qui c'est dans oligarque corrompu de Pétionville petit tout nèg ça vient faire vacances en République dominicaine yo tellement à l'aise dans pays ça même jour qu'on a pour yo fait défiler motocyclette 4 roues motocyclette 2 roues faire course moto yo fait en République dominicaine tout yo fait dans province pays ça nous nan mitan yo. Faut mes amis, il faut mettre ton ami en temps, il y a pas d'information. Donc ça va à l'aise dans le pays ça. Il ouvre quoi aux gens, il ouvre. Et mais qui ça dossier aille? C'est M. Newton qui t'a expliqué, avec toute information qu'elle gagne, bon, c'est le gros l'argent pour te bailler pour tout le Jovenel Moïse, il était passé par la République dominicaine. Et dans le pays d'Haïti, c'est une révélation. C'est le dernier cop qui était rentré. Aux États-Unis d'Amérique, qui t'a joué une compagnie, ça a eu le City Yuan, il était environ 750 000 dollars américains. Mais c'est du coup ça que son équipe de market dans le pays d'Haïti, qui te voyait comme ça à l'autre bord. Qui est-ce? Reginald Boulos. Et mais 20 millions de dollars américains, ça lui-même, qui, la caille voisin, République Dominicaine, non? Qui passait là, qui passait dans la banque, qui passait dans la banque dominicaine, qui rentre à joindre, représentant colombien, yo? Faut que nous connaissions qui est-ce qui va comme ça, oui. Et ça fait que moi, dis-nous clairement. Faut que nous connaissions si Boulos c'est 5 millions de bail pour tous les Jovenel Moïse. Faut que nous connaissions si Dimitri Vob c'est 5 millions de bail pour tous les Jovenel Moïse. Faut que nous connaissions combien comme chaque nec bail. Parce que chaque nec a son billboard dans le pays d'Haïti. Chaque nec qui baille l'argent pour tous les présidents pays, chaque grand nec ça a son billboard dans chaque grand carrefour dans le Brésil. Faut que tout le monde te connaisse. Nous clair sur ça. Il y a un pile parole qui va parler là. Prenez ce papito, parce qu'il y a qui choisit pour vous, papa ici. Non, l'autre côté, est-ce que nous connaissons dans le jeu qui va venir là? Il y a quelqu'un qui va courir, oui. Il y a quelqu'un qui va pas à l'aise. Il y a deux nègres qui ont un visa qui n'a pas pouvoir. L'ambassade américaine va l'outil visa, oui. 30 à 40. Personnalité politique, nous avons entendu que l'ambassade américaine ne renouvelle pas le visa. Moi, je pense que c'est plus simple que ça, oui. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Nous n'avons pas trop de détails que nous avons sur ça. Mais sauf que, je vais vous donner un jour pour là. Vous avez un gros courri dans le pays d'Haïti. Dans le secteur politique là, et dans le pouvoir. Moi-même, d'après l'information que j'ai, il y a des nègres qui peuvent prendre le code là. Et ça que je dis, les États-Unis d'Amérique sont en bourrade, en bourrade à clé. Et puis, ils ne sont pas en surprise encore. Nous prenons une surprise. Nous prenons une surprise d'assassinat de Jovenel Moïse. Soit en bourrade, soit en bourrade. D'après l'information que j'ai, les pays sont en bourrade. Il y a des nègres là, soi-disant politiciens, qui ont fait que ça ne va pas couler à Maui. Ta fait les regarder balcou la parce que yo konn ça tout yo kite konn tout parce que yo gen information ambassade américaine décision ça li pas sorti la ambassade là non son décision sorti bien loin oui la caillou oui la caillou tonton sam oui et je dis son décision qui sorti comme si dans tout non bon côté gros babin yo États-Unis d'Amérique oui mais même sauf que jusqu'à côté m'a parler avec nous là m'a essayer suivre toujours.
pas ba nou détail. Mais en gros, m'a dit nous veille en haut, veille en bas. Parce que ta gon pété courir dans jour gien pour venir là yo. Nèg nou ou pa renouvelé visa yo a. Et pas innocent non. D'après information comme hier. Et pas innocent non. Il va comme ça non. Bon parmi yo capable identifier bien. Visa dit qu'il est qui tel nous pas renouvelé a. Et bon jouet non. Visa lit qui tel nous pas renouvelé pour jouet. Al cherche qu'on est bien. Le te 17 américain nan men la mort sans jour dans 400 maroso. Al cherche qu'on est qui est qui te parle plus avec nan 400 maroso dans moment. Visa lit qui tel nous pas renouvelé là. De ce pays, j'ai un rapport que le produit, oui. Sur le kit, oui. Kidnapping, Pasteur Ferre Michel, là. Sur kidnapping qui documenté, oui. Dossier, là, oui. Pendant que, ouais, le kit, toujours était comme ministre de l'Intérieur, là. Ça, c'est vrai qui grave pour pays, là, monsieur. Mais non, si t'es dans kidnapping, de ce pays, j'ai une preuve tangible. Et qu'on a kidnapping, où était là toujours comme ministre de l'Intérieur? Moi, j'ai un chalot avec Matéli, mon chalot, qui a un grand bout d'ailleurs. Et bien, papa, nous dit 4 avril 14. Nous avons une délivrance définitivement avec un conseil d'assassin ou des criminels dans le pays. Parce que quoi a dû. Avec M. Newton Saint-Just dans la vidéo, ça, je vais aller nous comprendre la démarche de M. Newton. Là, parce que la démarche vise en pile bagaille. Maintenant, M. Newton a cité en pile dans les médias dominicains. Et en pile, mon dit nous, Beto, mon cher. Est-ce qu'on va brancher, me dit ça que passé, ou dit monsieur, de ces 20 millions de dollars américains, mettre Newton là. C'est lui-même qui a fait parler de lui, et la caille voisin. Est-ce qu'on comprend? Eh bien, justement, je ne fais pas les yeux vrais, nous, ouais, dossier mettre Newton là, l'activer, et que, le conseil des banques avec dominicaine, qui, normalement, a pas l'empile du dossier, de sa papiti. Et m'a dit nous ça clairement. Maintenant, Newton Saint-Just, j'ai gagné information. Et m'a dit, monsieur, tout veille en haut, veille en bas. Parce que de pouvoir toucher dossier, côté qui pour pas tomber sur nos boulos, sur nos Dimitri Vob, faut qu'on double grain parce que, avec ça, rapide, il y a éclaté. Dimitri Vob avec Regina Boulos, pas bon chance du tout. Arrangeons qu'on a qui dossier là. Arrangeons qu'on s'occupe plus de la terre là. Mabdou, peut pas ici avec vous. Parce que depuis que vous prenez, c'est vraie direction. Peut pas ici avec vous. Femme, mes amis, plateforme YouTube, vous pouvez camper derrière vous. Mais Mabdou, mettez quoi, veillez quoi. Pendant que vous avez support nous tout là, mais vous même pas la guerre, mettez Newton. Parce que le dossier n'a pas petit. Nous pourrons parler, nous pourrons aller retendre le dossier mettre Newton pour nous commenter, pour nous garder plus de détails dans ce qui est pour avec des matchs que monsieur. Et entamé, et la caille voisine nous avec Dominicaine. Parce que nous pouvons jouer une cause à la vidéo. Ça. En tout cas, je dis bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous, et ou regardez nous. Hein. Encore une fois, Jacques nous connaît. C'est toujours un plaisir pour moi pour que je m'assemble avec nous. Et ça vraiment fait du bien. À chaque fois que je me connais, je vais partager mon moment ensemble avec nous. Et que je me connais, nous allons réagir exactement à travers les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons, tout ça que nous comprenons de ça qui dit dans la vidéo. Ça. Parce que ou tendez, ou comprenez. Ou bon bagay ki ou envie di quand même. Mais c'est dans l'espace commentaire là, ou capable partager ensemble avec nous. Parce que nous présents, automatiquement, on attend de nous. Commenter vidéo. N'a pas répondu commentaire ou, et guider commentaire ou fait qui est tellement important, m'a bon menti, dans la vidéo qui vous venez, n'a pas parlé de lui. Prenez responsabilité ou, parce que nous avons qui choy, nous avons qui choy, nous pour nous. Nous en pile, nous avons nous info beto, n'a gade yo, qui est bois, qui va jamais peur à peur. Si les salines, t'es lâche, s'il te peut mourir, s'il te peut marron, s'il te peut prison, s'il te peut torturer, nous ne sommes pas libres et indépendants. Nous ne sommes jamais fiers du fait que nous sommes le premier peuple noir qui est libre et indépendant sur la planète. C'est parce que t'es une des salines avec tout associé, pas de peut mourir. Je ne peux pas tout le monde tout qui est aujourd'hui. Ou capable de me parler comme ça. L'homme nous parle, l'homme nous aime, ou même si c'est haïtien, oui, toute la société a une histoire.
c'est Dessalines qui va te mourir. Si je dis là, je suis capable de camper toujours pour ne pas aller le Jovenel Moïse, c'est parce que pas de peut mourir. Il était ouais danger. Il était ouais crime. Il était ouais assassinat. Mais il te dit, faut que je peuple s'accale. Faut que le peuple ait clé. Faut que nous comprenne très bien. Et même pas de mentir. Nous avons une souris, papa. Nous voulons nous connaître, nous connaissons que nous avons une souris. Vous voulez nous connaître que bagaille pas pris comme ça. Vous voulez nous connaître que Ariel Henry qui là avec tout le système judiciaire qui a protégé là, il n'y a plus pas là. Vous voulez nous connaître que Jovenel Moïse, la vérité a fait dans le cadre de l'assassinat ça quand même. Vous voulez nous connaître que n'a pas connaître combien de cobres Général Boulos te baille. Vous voulez nous connaître que n'a pas connaître combien de cobres Dimitri Vop te baille. Vous voulez nous connaître que qui degré d'application Matéli, n'a pas connaît qui niveau d'implication Matéli dans l'assassinat. Vous voulez nous connaître que FBI a gagné l'information, il fait pas il peut pas ici. Vous voulez nous connaître que FBI attend de Dimitri Radé, attendez. Vous voulez nous connaître que FBI attend de James Solage en pile. Vous voulez nous connaître que FBI attend de pasteur Emmanuel Christian Sanon, pasteur m'a connaît. Vous voulez nous connaître que FBI attend de Joseph Vincent qui c'est ancien CIA FBI. Dans le pays d'Haïti. Vous voulez nous connaître que FBI tendez Jean Lagel civil. Vous voulez nous connaître que FBI a tout détail dans le cas d'assassinat président pays qui c'est Jovenel Moïse. Les gens qui me disent là, si les États-Unis ont banon bourrette, banon bourrette. Ou pas besoin de faire rien pour nous. Juste dis-nous toute la vérité de ce qui est pour avec l'assassinat président pays. Jovenel Moïse. Quoi, mais je fais rien pour nous encore. Parce que je connais que de l'ivresse nous a sorti à partir de ça. À partir de la vérité. De l'ivresse peuple haïtien, il a sorti à partir de dossier ça. Parce que c'est des gens qui étaient là, qui pape là encore. C'est des gens qui t'a tué, qui t'a boulé, qui t'a kidnappé, qui pape là encore. Parce que je dis, hein, peuple haïtien, si j'ai bonjour la panjou, pas dit bonjour la panjou pirette. Ou konon nom te nan touye président, ou pas ka di mou bal nan tete lan samavel. Ou konon nom te nan touye président, ou pas ka di mou konsan ke wap chita sou même tab wap panjou samavel. Fok tout moun konen bien. Jovenel Moïse, c'est le président de la République. Et qu'il a yo touye. Faut que tout le monde connaisse bien et qu'on a supposé payer pour comme ça. Faut que tout le monde connaisse bien. Lorsque c'est droit en tribunal, ou à protéger un gros criminel qui vient tuer un président de la République. Faut qu'on connaisse bien tout ou t'as à payer pour lui. Et même petit tout à payer pour lui. Parce que qu'on passe pour des prophètes dans le pays ça. M'pap nous mentir. Pap gen protéger pièce moun qui beaucoup assassin. Ou pas venir dire nous t'es innocent. Ou pas venir nous ou pas t'impliquer, ou pas venir nous pas là-dedans. De ou pas là-dedans, c'est démaco de groupe criminel ça yo. Parce que pays a souffert trop. Pays a pas descendre plus bas que ça peuple haïtien. Les fait trop crime dans pays a, mais tu trop monde dans pays a. Faut que nous gourmet pour nous délivrer pays ça en bas groupe criminel ça peuple haïtien. Je te dis exactement. Vendredi Saint. Vendredi Saint, nous connaissons en tant que haïtien qui ça veut dire pour moun en dehors même j'avais. On a gardé même j'avais. Là vendredi Saint. Et bonjour. Dans la coula kaya en province. Vendredi Saint ça, m'pa bon menti. C'est rara sou rara. C'est rara sou rara. On débarque dans ka foute tete là sont dans tous ces coups de rasso sans camper. Aïe. Yo président de la République en fonction. Que la République te fait, te menace, tout nèg t'a menacé. Yo rive touyel physiquement. André Michel,
qui t'a l'élection pour président, il va même faire 0.1%. André Michel qui t'a l'élection pour sénateur, il va même faire 0.1%. Jodia, André Michel gonfle col, il met tête là avec nèg tout le président et il prend pouvoir. Est-ce que vous comprenez un bagage comme ça? Moi, attendez. Moi, je vais lever n'importe nèg ou qui a le pouvoir. Mais attendez, à côté peuple là, c'est peuple qui va le pouvoir. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si vous n'êtes pas capable de choisir, c'est pour dire que c'est la même qui fait le choisir. Parce que pouvoir, c'est pour dire que vous avez eu le jeune à terre. Vous n'êtes tout en président. Son sacrifice ou fait, son crime contre l'humanité ou fait, ou si vous avez une réponse par rapport avec Zach, ça qu'on fait, ou qu'on met là. Vous voulez payer après la dimension. Vous voulez payer à connaître que son crime contre l'humanité que vous avez fait. Je dis maintenant, Moïse a vivre. La pensée avec coup de balle que les autres prennent. La pensée avec Marie qui a assassiné devant. Mais nous faut vivre ça, monsieur. Mais nous ne sommes pas pour nous ça. Parce qu'il a fait un peu mal depuis qu'il a pris. Il est méchant, il est criminel. Il n'a pas pris la vie moun pour rien, peuple haïtien. Il a fait une manifestation dans la rue. Yo qui que yo voye policier fantôme 69 al tirer sou li pour yo ka dise yo venir Moïse qui voye faire massacre par oui. Chagrin jeune garçon qui n'a opposition avec nèg yo. Et puis tout dit que jeune garçon ka l'école, li avisé, li gen la presse sou li, li parle dans média en pile. Nèg yo touye encore oui. Yo pa vle l'autre jeune émerger dans mitan yo. Même le pays a connait que André Michel Lankasi, c'est deux gros criminels notoires peuple haïtien. Et que tu es type tatou, qui c'est ma classe politique, comment il est, parti politique AAA, il a tenté Haïti en action. Et que tu es Badou, qui c'est même parti politique petit Dessalines, moi Jean-Charles. Moi je sais qu'on connaissait les gens tout lui. Mais le fait que c'est même équipe là, n'a pas battu pour j'étais Jovenel Moïse, n'a pas battu Jovenel Moïse avec assassinat ça. Mais comment est-ce que méchant au pays, oui? Et jusqu'à présent, où j'ai des jeunes garçons, il y a 1000 groupes pour continuer à supporter l'extérieur. Sauf que méchanceté, mais je dis là. Après, Michel qui fait tout assassinat dans le pays. Hein? Mais je dis le tout comme ça que, oh oui, mais il y a plein de manigances pour assassiner. André Michel. Pour tourner pour le même, si je n'ai tigre pour me laguer deux chambres pour t'en André Michel a abdomi, je n'ai pas laguer dans le. Si je n'ai pas un lion pour me laguer deux chambres pour t'en aller casser abdomi, on y a qui grand coup. Mettez-le dans la chambre contre Nel Kassi Abdomiya. Là, lui enlevé, fap l'albaé, le gars de qui est-ce devant Nel Kassi. Qui t'a fait m'assister avec André Michel. N'a pas une tigre, monsieur, contre Major Michel Abdomi, m'lage tigre dans deux chambres, non. Pendant qu'il a fait l'amour avec Ariel Henry. Pour tigre la levé, pour jouer Ariel Henry avec Major Michel Toutouni. Et puis tigre là, t'as baé. On a tigre à le bas service. Tigre ça va le délivrer pays d'Haïti. On ne peut pas avoir 15 tigres comme ça. Nous prenons 15 tigres, nous bien aussi, nous veillons, nous veillons, nous veillons. Fouk nous la gueule de machine à Ariel Henry. Et puis nous étions comme nous. Le Ariel Henry pas là, nous prenons qui chambre nous dormi, nous cherchons un lion. Nous la gueule de espace, ou bien nous cherchons léopard. Mais ça, yo, comme si nous avons connaît, qui c'est les chats même, yo consommé. Qui très grand goût, nous prenons un tigre qui grand goût de pas 5 jours, ou bien n'importe 15 jours, qui presque mec qui a souffert grand goût, de quoi que d'elle paraît mélangé. Ou prenons le mettre dans la chambre côté de Nel Kassi abdomi. Ou veille côté boulot abdomi, ou la gonion là. Qui grand goût depuis un mois. Qui va jeune de l'eau, qui va jeune vient pour le manger. Et vous la gueule dans la chambre côté régional boulot hier. Vous voyez ça qui passe? Solution. Pour la jeunesse haïtienne, solution pour la population haïtienne. Ou chercher côté chambre, petite boulot, petite garçon boulot avec petite fille là, a fait l'amour parce que me dit ça clairement, c'est avec frère ça yo, c'est yo qui a fait l'amour entre yo, yo va quitter l'autre monde, il fait l'amour avec yo, c'est avec c'est après frère, yo entend yo. Ou chercher côté dormi, ou la gon léopard là. Ou bien chercher caïman féroce. Ou la gueule, il se passe ça. Et bien, Adim, si pas bon résultat.
Et je dis, c'est président colombien, c'est président pays Colombie, qui a ratifié nous, qui a certifié nous que Colombien yo n'a trouvé président pays d'Haïti en vrai. C'est Colombien qui a dit nous ça. C'est président pays colombien qui est honnête, qui a courage, qui dit ça. D'après l'enquête qu'elle mène. Mais dans le pays d'Haïti, pour Ariel Henry, les papes qui ont Colombien sous prétexte que c'est des gens qui participent à l'assassinat, blablabla. Là, pour parler avec la justice pour regarder comment ils étaient capables de libérer les Colombiens. Nous t'ai aidé par la sauce, qui t'ai payé à vie avec Tibato. Nous t'ai aidé John Joel Joseph, qui t'ai payé à vie avec Tibato. Quand lui, il a payé la Jamaïque, FBI a fait mes codes dans le coup. Ben, si vous voulez dans le pays d'Haïti, nous-mêmes, nous avons la police, nous avons la justice, nous avons capoté. On a payé à fini, tout monsieur. N'est-ce qu'on fait kidnapping? C'est eux qui ont la justice, c'est eux qui ont le pouvoir. Comment payer à fini, net? Kidnapping, messieurs, dames, comme si. Ou pas qu'à sauter l'arrivée là, non? Ou pas qu'à assurer ce qu'on va prendre de vous sortir? Pas qui paye sur la tête capable de développer avec kidnapping? Eh bien, il est fini complètement. Wow. Vous voyez, pour nous connaître très bien. Depuis nous, on va prendre fini comme ça, profession, à tes plates net net. Parce que le monde a la fièvre. Tout corps pour vaisseau chaud dans le monde du fait. C'est capital pays, ya. Tout pays sous la terre comme ça. États-Unis d'Amérique, depuis moi, quand Washington, comme si, a boulé l'autre petit côté, quand il a gâté. Faut que tu comprennes, capital politique pays, ya. Mais il prend en otage par des assassins, par des criminels. Mais tout le monde s'injuste dans des démarche-là. Il est très important, messieurs, dames, dis-nous comme ça que de ça fait chemin, c'est une possibilité de nous gagner pour nous connaître combien de copes boulot bail, combien de copes Dimitri faut bail, combien de copes majorité, comment les. Et les bossants, les bidjou, les conventons, tout, comme le corps secteur oligarchie, pour y sentir ça, te bail pour tout le Jovenel Moïse. On allait avec M. Jordan qui a parlé avec nous. On avance. Grâce à vos collègues avocats qui sont en République dominicaine, vous étiez informé que 20 millions de dollars transitaient par le système bancaire dominicain pour financer l'assassinat du président Jovenel Moïse. Vous avez décidé de porter plainte en tant qu'avocat de l'État. Non, pas en tant qu'avocat de l'État, c'est parce que c'est l'État. En tant que citoyen. Citoyen. Et parce que. Doublé du titre d'avocat, non, même de l'État haïtien. Non, l'avocat, parce que. D'abord, ce que nous avons fait, c'est de dénoncer ce fait auprès de la justice dominicaine. Vous savez que le parquet, comme nous l'appelons en Haïti, mais la fiscalia de Santo Domingo, ou la République dominicaine, le fiscal, c'est l'équivalent du commissaire du gouvernement de la République dominicaine. Ah, ok. Le fiscal. Donc, c'est la plaque tournante de l'action pénale. Et en ce sens, nous avons alerté la docteure Myriam Herman Brito, afin qu'elle achemine le dossier aux autorités compétentes, par exemple la unidad des analyses financières ou autres autorités qu'elle jugera nécessaires. Maintenant, la démarche est une démarche très simple. Vous pensez qu'elle va aboutir? Et nous avons les moyens pour que pour au moins une enquête de blanchiment soit ouverte en République dominicaine. Les objectifs fixés. Les objectifs, c'est d'abord qu'une enquête soit menée pour vérifier sa déclaration. Pour vérifier sa déclaration. Vous avez identifié déjà l'instance dominicaine. Nous avons tout qui pourrait être habilité à mener cette enquête. Cependant, il est clair que ce n'est pas une affaire de la mesure où c'est tout le système bancaire dominicain qui est sous pression actuellement. À cause de ça. À cause de cela. Et puis, vous savez que nous vivons dans un monde où tous les systèmes financiers sont interconnectés. Donc, mener une enquête sur un dossier pour les Dominicains, parce que les Dominicains sont vraiment unis en ce qui concerne les intérêts nationaux. De leur pays. C'est pas comme nous. Donc, il y a beaucoup de débats qui se font pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ce dossier. Maintenant, pour aboutir à l'ouverture d'une enquête
sur ce dossier de la République dominicaine, la solution ne viendra pas de la République dominicaine. Nous savons très bien. Parce que le blanchiment d'argent ou le crime financier en général est une menace pour les sociétés modernes. Et vous pouvez seulement penser à ce que peut faire un terroriste parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il contrôle le système financier d'un pays. Et contrôler le système financier d'un pays peut vous habiliter à contrôler le système financier de plusieurs pays. Et donc, vous avez dans un premier temps, il faut alerter le gouvernement. Non, la justice dominicaine. Premier d'abord. D'alerter la justice dominicaine et leur donner un temps d'observation, de réaction. Et au deuxième temps, j'observe aussi le comportement du gouvernement haïtien pour voir dans quel niveau mon gouvernement a été ou est impliqué dans cette affaire, parce que, comme je le répète chaque jour, c'est que toutes les plus hautes sphères de l'État haïtien ont participé au complot qui a conduit à l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est pas seulement les Colombiens qu'il faut voir. Et vous savez que Jarre disait, s'il faut faire confiance à ses propos, que dans un premier temps, on cherchait l'aide du fantôme 609 pour assassiner Jovenel. Justement. Oui, c'est parce qu'il y avait une pénurie, il y avait des problèmes d'armes. Donc, ils se sont, et ils ont cherché, je dirais, une autre voie, une autre solution. Donc, ça veut dire que, et pendant peut-être 2 ans, je pense que depuis 2019, il y a plusieurs scénarios et étaient à l'étude pour voir et comment venir à bout de Jovenel Moïse. Et il faut c'est à défaut qu'ils ont choisi les mercenaires. Bon, c'est-à-dire, et avec le temps, on a pu collecter les fonds nécessaires parce que cette opération demande beaucoup d'argent. Toi et moi, nous ne pouvons pas planifier. Lors même que vous seriez, que nous serions en politique, bon, nous serions là à faire des déclarations, comme la plupart de nos compatriotes qui s'opposaient politiquement et pacifiquement à Jovenel Moïse. Mais trouver l'argent nécessaire pour mobiliser autant d'hommes et pour mobiliser autant de pays, il ne faut pas oublier que les Colombiens, ceux qui sont en Haïti, en prison ou aux États-Unis, ont fait savoir que dans un premier temps, l'idée, c'était de capturer Jovenel, de le mettre dans un avion à destination de quel pays, nous ne savons pas. Donc, plus le temps passe, plus on comprend la dimension internationale de ce complot. Plus le temps passe, plus on comprend que la communauté internationale a un rôle à jouer dans ce dossier. Et nous autres, nous sommes en train de les mettre à l'épreuve. Et après... Alors, ce rôle à jouer dans la recherche de la vérité, nous ne pouvons pas totalement laisser, dans le cadre de ce dossier, la recherche de la vérité entre les mains de la communauté internationale. Mais ils ont joué un rôle dans l'assassinat de Jovenel Moïse que seule une enquête indépendante peut aider à déceler, à comprendre. Maintenant, nous avons alerté la justice dominicaine. Cela prendra 2 ou 3 semaines. Nous allons, avec les amis, les confrères que nous avons là-bas, analyser et le comportement et savoir quelle décision prendre. Nous sommes en train de voir, d'observer la réaction du gouvernement ici. Certainement, nous savons que dans leur démarche, depuis le commencement de cette affaire, c'est de fermer les yeux, c'est de protéger leurs intérêts, c'est-à-dire les auteurs intellectuels de l'infraction. Maintenant, nous avons déjà entamé une grande campagne à travers le Parlement dominicain pour avoir une enquête parlementaire à travers le Parlement, le Congrès américain et les autres organes internationaux impliqués dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, nous sommes en train de monter une grande campagne. Non, pas pour Jovenel Moïse, non. Mais vous savez que, faut nous comprendre, ce qui s'est passé
est une honte pour nous autres Haïtiens. Et malheureusement, il paraît qu'il y a d'autres peuples qui ressentent, qui ont honte de cette honte plus que nous. Et nous devons, comme citoyens, faire ce que nous pouvons avec les moyens intellectuels, les moyens technologiques qui sont à notre disposition pour démontrer à ceux qui ont peur que la lutte entre la vérité et le mensonge, c'est une lutte qui a après naissance, disons depuis la naissance des siècles, c'est-à-dire cette lutte va toujours exister, mais on n'a pas besoin de 20 millions de dollars, on n'a pas besoin des armes comme les Colombiens pour faire triompher la vérité, avec les moyens surtout qui existent aujourd'hui. Maintenant, le danger aujourd'hui, c'est de laisser, d'abandonner cette enquête entre les mains des États-Unis, de l'international. Oui, mais les États-Unis ont commencé. Ils ont commencé, mais comment? Justement. Parce que ce sont eux qui auditionnent les suspects. Vous savez que nous avons là cette habitude de dire de quoi que et c'est entre les mains des Américains, donc c'est bien gardé. C'est faux. Ils sont menteurs comme tout le monde, comme tous les hommes. Ils sont corrompus comme tous les hommes et ils défendent surtout leurs intérêts comme tous les hommes. Mmh. Et je vous donne un exemple. Le crime a été planifié dans les locaux de CTU, de Counter Terrorist Unit, dirigé par Archangel Brittel et Antonio Entriago. Par exemple, Antonio Entriago était en Haïti 3 semaines avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Il était venu coordonner tout. Et son avocat a déclaré à un journal américain et mexicain que Entriago avait même cherché, avait pris des dispositions pour rencontrer l'ambassadrice américaine en Haïti. Mais bah, il était vraiment occupé. Il n'y avait pas, je dirais, il n'a pas pu trouver une entente pour avoir un rendez-vous. Mais ils se sont rendus à l'ambassade pour les avertir ou pour les informer du travail, du boulot qu'ils étaient venus faire en Haïti. Et le travail a été fait. Le travail a été fait. Oui, mais c'était quel travail? L'assassinat de Jovenel Moïse, c'est ce que nous avons comme résultat. C'est ce que nous avons comme résultat. Mais on rapporte qu'au départ, il n'était pas question d'assassiner Jovenel Moïse. Je suis désolé, c'est le résultat qui compte pour nous. Mais, deuxièmement. Donc, vous êtes en train de nous dire, de confirmer pour nous, qu'avec ces éléments-là, que les Américains étaient bel et bien informés d'une opération, de la présence de ces gens sur le terrain, et qu'ils n'étaient pas venus apporter des fleurs au président haïtien ou faire du tourisme. Mais deuxièmement, Archangel Brittel. Qui est Archangel Brittel? Archangel Brittel est l'un des agents les plus importants de la CIA et de la DIA dans le cadre de la lutte contre les FARC. Il a permis à la justice américaine de juger plusieurs regradés de FARC en Colombie et qui ont été extradés vers les États-Unis. Après ou avant même l'incident, parce que c'est lui qui a procédé au recrutement des criminels colombiens, eh bien, sa déclaration était claire que ce que vous allez faire en Haïti est supporté par le gouvernement américain. C'est ce que la plupart des militaires colombiens, leurs parents, leurs familles ont rapporté. Que Archangel Brittel, maintenant, une enquête va déterminer si Archangel Brittel mentait ou non, mais cependant, les faits nous montrent qu'il avait raison. Pourquoi? Archangel Brittel et Antonio Entriago sont les deux premières personnes à être questionnées, auditionnées par FBI, par le FBI. Où sont-ils maintenant? Ils sont quelque part dans l'air, dans la nature. Ils sont protégés peut-être pour les services rendus. Or, qu'est-ce que nous avons vu? John Joao Joseph, Palacios, Jarre ont été recherchés et arrêtés en Jamaïque, en République dominicaine. Et Archangel Brittel et Antonio Entriago sont à Miami, sont en Floride. Ils sont en Floride, ils résident en Floride. Ils devaient être les premières personnes à être arrêtées.
si véritablement les Américains voulaient nous aider. Pas nous aider, mais voulaient et que la manifestation et la recherche de la vérité. Mmh. Dites-nous, maître, vous avez participé à la rubrique Le Point une fois sur ce dossier, et quelques heures plus tard, on vous a invité aux États-Unis. Qui avez-vous rencontré? Écoutez, ce que vous devez comprendre, cette lutte entre la vérité et le mensonge, il y a des personnes dans l'ombre qui supportent ce que nous sommes en train de supporter là, de faire là. Comme on parle des informations et par des échanges aussi. Par exemple, pour agir en République dominicaine, et je dois connaître la loi. La loi du milieu, mm-hmm. la loi du pays. Je dois savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais je n'ai pas étudié le droit dominicain. Certainement, le droit est un langage universel qui est fondé sur une logique universelle, mm-hmm. mais cela ne suffit pas. Donc, et nous avons également pu rencontrer des personnes qui sont impliquées dans l'enquête. Et permettez que ben, souffrez que je ne dis mm-hmm. ok non, mais ce qui est important, nous sommes au courant de ce qui se passe dans ce dossier et avec une certaine précision, et malheureusement cela devait être la mission de travail du gouvernement haïtien. Et aujourd'hui, quand un journaliste haïtien ou étranger veut savoir ce qui se passe dans le dossier, bon, il m'appelle. Bon, je n'ai pas de problème. Mm-hmm. Je leur parle, mais comme je l'ai dit, il y a de cela 3 mois, et il faudrait au moins constituer une... Si M. Ariel Henry, et permettez que je dise cela, mm-hmm. si M. Ariel Henry veut démontrer qu'il est innocent, qu'il n'a rien à voir dans cette affaire, et que son gouvernement, comme il l'a dit par exemple dans une entrevue, lors d'une entrevue avec Miami Herald, qu'il veut tout faire pour faire la lumière sur ce dossier, il y a une opportunité en or qui lui est offerte aujourd'hui, mm-hmm. avec ce qui se passe à Boulou Dominicaine. Évidemment. Montrez-nous, M. Ariel Henry, que vous voulez que la vérité jaillisse sur les auteurs intellectuels de cette infraction. Parce que, vous savez, un crime comme celui-là, c'est un rire, à la fois un rire et un sourire moqueur. Non, rien de cela. De tristesse aussi. Rien de cela. De tristesse. Alors, ce que je veux dire, en matière de crime financier, et en matière de théorie, en matière de criminalité organisée, le cœur de la criminalité organisée, c'est l'argent. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce principe, cette formule anglaise, follow the money, siga el dinero. Suivre l'argent. Eh bien, en suivant l'argent, en suivant l'argent, vous avez déjà les criminels en main. Justement. Chaque dollar identifié vous permet d'approcher plus près et du criminel. Mmh. Et aujourd'hui, la meilleure façon de savoir qui a tout fait est de savoir qui a financé. Et les mains qui ont financé, vous savez que l'argent qui a été dépensé n'était pas tombé du ciel. Mmh. Et il venait de quelque part, oui. apporté par quelqu'un. Mmh. Et donc, M. Ariel Henry, c'est une opportunité qui lui est offerte aujourd'hui en instruisant, en intimant l'ordre à l'UCREF. Et parce que l'homme qui n'a pas encore un juge sur ce dossier, je ne sais pas si on aura le temps de parler de magistrat Bellab, l'homme qui n'a pas... C'était justement le dernier point que j'allais aborder avec vous. Et l'homme qui n'a pas de juge sur ce dossier, vraiment. Mm. Et donc, le gouvernement haïtien peut demander au gouvernement dominicain de vérifier ces informations, et le gouvernement haïtien peut aller plus loin à travers le GAFIC et pour vérifier si effectivement cet argent a traversé nos frontières ou bien s'est déjà retrouvé en République dominicaine, si cet argent a été utilisé pour assassiner Jovenel Moïse,
Et parce que le système bancaire dominicain, à travers la unidad d'analysis financière, doit produire des rapports mensuels. Et un tel montant doit faire l'objet d'une déclaration de provenance de fonds. Ben, si quelqu'un est venu avec quelques millions de dollars dans une valise et dire qu'il faut remettre ça pour nous aux Colombiens, mais il faut que cela passe par votre système bancaire afin qu'il soit blanchi en parlant de cet argent. Donc, c'est tout le système financier dominicain, peut-être le système politique, qui peut être touché, qui peut être concerné par cette affaire. Non, et nous avons besoin d'hommes d'État. Nous avons besoin que M. Ariel Henry prenne sa responsabilité. Alors, là même qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités, nous autres, comme citoyens, à travers les mécanismes en place, à travers les réseaux que nous avons, eh bien, nous allons forcer M. Ariel Henry, la justice dominicaine et pourquoi pas GAFIC à mener une enquête sur ce. Le nouveau juge d'instruction vous a. Très bien. En fait. Et nous ne pouvons pas arriver sur le juge d'instruction. Moi-même, ça que je voulais faire, je voulais faire que nous tendez ça. Parce que ce qui s'est passé, démarche que M. Newton a entamé là, et la privée loin, oui, la privée loin. Parce que ça a pile cause là de nous. C'est un dossier qui n'a pas suivi de près. N'a pas suivi de près parce qu'elle a un avenir. C'est un dossier pour retracer n'est qui met l'argent. Parce qu'avec autant de facilité, n'est qui, tous les jours, Moïse, ça qui s'est passé comme si nous avions exécuté au bagage, n'est que ça, yo en bas. Par exemple, mais c'est le Colombien, yo. N'est qui met l'argent pour venir faire venir Colombien, yo. Il faut nous connaître tout, n'est combien comme tu bailles, tel bagage, il faut nous connaître tout le détail net. Et dans des matchs, ça. On garantit nous, depuis nous camper là-dedans, là, sous l'inouï là, on garantit nous, nous avons besoin de la vérité. Parce que dommage ça, c'est la peine nous faire ou les gars corrompus tout droit. Et pas beaucoup de petits chèques qui restent avec politique, non. La peine nous beaucoup. Dommage ça, la peine nous dans Pétionville, tout droit, tout qu'on est. Pas ça, bientôt. Parce que quand le détail qui est venu après-midi là, et que nous avons fait un canal de jour, je souhaite que vous partagez la vidéo, commentez ou likez, et sur mes travaux là, il est très important pour que vous partagez. Et je quitte nous là. Je vais faire une musique pour moi et puis je vais tourner tout de suite après pour que nous venions avec une autre vidéo tête chargée. Je dis non. Et comme tu as dit ça, enjoy nous avec contrôle parce que nous avons un week-end, nous avons semaine back là, enjoy, soit là, mais je commence à mettre soit conduire pas boire, ou comment nous avons un espace boire avec contrôle. Et déjà ce week-end, on connaît qu'on a pris plaisir en pile, surtout pour faire avec ceux qui vivent la République dominicaine. On connaît que jour ça, c'est jour là, mais qu'il y a la République dominicaine. Enjoy la vie nous avec contrôle. On connaît que son vendredi saint, mais qu'en pile, il y a pour venir toujours. De vous mettre principe dans la vous, pour dire permettre ouais, en pile, l'autre vendredi saint. Faire avec ceux, moi-même, nous en pile, et son plaisir, pour que nous toujours ensemble avec nous. Ma besoin de M.D.V., ma besoin pour l'autre vendredi saint qui est pour venir. Je dis à 15 avril, ça, nous t'aimons. Ou alors notre verdicien avec nous encore. Même si c'était que nous pas boué, c'est n'a pas conduit. C'est n'a pas conduit, c'est n'a boué pas conduit. Pas habité nous. Boué titre de nous, même j'avais, parce que l'imga boué, m'jé boué yo. Info beto, zami pas nous. Enjoy à ça pour même si les lunatec, nek pour de pain, kap vivant en Floride, bon bagay, famille, zami, info beto, bon bagay, tu red, red. Kembe la balague, moi, menon en pile, kembe la. Nous souvent dit, les nous remets, c'est terrain nous n'a pas de femmes. Pas de gens me connaissent, si j'en des femmes ça y est. Et juste toujours, pas de souhait, pas de ici, ou pas tout chai, moi yo en mais pas de même les calmes, non mais. Pour passer jusqu'à ce que ta vie semble bien. Non, bague moi, c'est pour moi, merci. Now it's time for me to do my part. Mettre quoi, m'chéri, m'pap, j'aime, merci. When can I ever pay you back? Non, bague moi, c'est pour moi, merci. Pour tout ça, ou fait dans la vie, moi. Pour transformer, bien géré. When can I ever pam qui t'aime couronner fais ou
compenser. Plus que ça, depuis où t'es dépensé. Même avant lever, pour m'y être en planifié journée. La ou pas, jusqu'à le corps sous moi. Mon bagage me waste pour me merci. Now it's time for me to do my part. Pour mettre quoi m'chérie, m'pap j'aime merci. When can I ever pay you back? Mon bagage me waste pour me merci. Pour tout ça ou fait dans la vie moi. Pour transformer, bien gérer. When can I ever pay you back? Lunatic 311.